Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue pour l'épisode 49 sur PC Building Simulator. On s'était laissé la dernière fois, on avait eh bien acheté 10% des parts de l'oncle Tim sur notre entreprise. On a maintenant 20% des parts de l'entreprise. C'est bien parce qu'on remonte la pente et de plus en plus on a de liberté et on pourra foutre en l'air l'oncle Tim parce que c'est vraiment un cancre. Du coup, c'est pour ça qu'on est un peu en déche d'argent, mais rassurez-vous, on va réaugmenter très vite. On a pour cela une demande d'assemblage de PC. Alors, il veut jouer à Hearthstone. Il faut dans 2 jours. Il veut du AMD. Ok, on part sur du AMD. Donc, voyons voir. Il le veut en minimal. 4 Go, 2, 3, AMD, AMD, bah parfait. Avec un budget de 1750. Alors, boîtier. Pour le boîtier, on va partir sur un 180. Pour changer un peu. On part sur du AMD. On va lui mettre ça. Carte mère, il lui faut un A4. Refroidisseur, on va pas lui en mettre un très performant, on va lui mettre celui-là. Pour la carte graphique, on va quand même lui mettre une 700. Alim, hop, stockage. Est-ce que j'oublie quelque chose? La mémoire, je crois, non? Ouais, la mémoire. Il veut une combien? Il lui faut en RAM 4 Go. On va voir ce que j'ai pour du 4 Go. Allez, on va mettre une petite ADATA. Si on fait 30, ça fait 1755. Bon, ça devrait passer. Et si ça passe pas, il va se faire foutre, hein, franchement. Ok. Alors oui, on est à découvert, mais c'est normal. Hop. Tac. Tac. Oui, on aurait pu baisser le prix de la carte graphique, mais bon. Franchement, pour 5$, si chipote, c'est quelqu'un qui n'aime pas la qualité, tout simplement. C'est quelqu'un qui est trop proche de son portefeuille. C'est quelqu'un qui est radin. Quelqu'un qui est radin. Pas de thermique. L'alim. Même le stockage, on aurait pu réduire au niveau du stockage. Au lieu de prendre une 3, on aurait pu prendre une 1, mais bon. Mais bon. Là, j'ai envie de voir si vraiment 5$, c'est trop grand quand on fait des demandes, mais bon. La dernière fois, on l'avait fait et ça avait marché. Hein. Ça avait marché, on avait pu quand même gagner 5 étoiles, donc bon. Le refroidisseur. Mais je l'ai acheté! Oh, on va prendre une Mortonie, hein, parce qu'il n'y a pas à faire chier son monde, lui. Oh là là! Tiens. Combien j'ai de. Oh, ouais, bon, ça va. À chaque fois, je vais devoir vérifier. Sérieusement?
Ok. Bon, bah ça va. Il a rien dit, tant mieux, parce que sinon j'aurais fait mal. Bon, là vous voyez, on a gagné. Même pas. Oh, allez, 180, on va dire. Ok. Nouvelle pièce. Réparer mon PC. Bah, ça sera pour plus tard. Qu'est-ce que. Vous devez effectuer un diagnostic pour le problème. J'ai cru que la carte mère était sale, alors je vais nettoyer avec l'aspirateur. Ce serait vraiment le. Au cas où, on va prendre. Hein. Gaming 5. 370 Gaming 5. Bah, on prendra après. On prendra après parce qu'on a un assemblage à faire. Ah non, même pas. Carte mère. Donc Gaming 3 et Gaming 5. Ok. Carte mère. Gaming 3. Bon, déjà il y a celle-là. Et la Gaming 3, c'est B350. B350. Hop. Accepté. En transit, en transit. Boutique. Ça va, on n'est pas à découvert. Parce qu'on n'avait pas de gros achats. Allez, on passe un jour. Ah! Il y a la facture! Oh, ça fait mal ça. On paiera la facture une fois qu'on aura remplacé toutes les pièces et tout. Hein. Parce que là, sinon. C'est long. C'est très long. C'est immensément long. Allez hop. Ok, c'est parti. Tac. On va commencer par celui-là parce que c'est valeur sûre. C'est pas la même. J'espère que ça va pas être embêtant ça. Ou bon, ça va. En vrai, ça va. Ça a l'air d'aller. Bon, c'est pas. Voilà, j'ai pas fait une grosse erreur. C'est pas exactement sa pièce à lui, mais bon. Tant qu'il n'y a pas de conséquences sur les objectifs, moi, je m'en fous, clairement. Bon, par contre. Ah oui, mais du coup, il est plus bas. Bon, bah, on va changer le cache PCI, c'est pas grave. On va lui remettre l'autre. Boum. Voilà, ni vu ni connu. Le petit refroidisseur. Les petits câbles. Et on n'oublie pas celui d'en haut qui est toujours caché. Au cas où. Allez. Allez, toi, c'est fait. Boum. Au suivant. Bon, lui, il y a clairement une histoire de. Oula. Il y a clairement une histoire de poussière aussi, hein.
Ok, ça a l'air d'être bon. Lui, pareil, il disait que c'était la carte mère. Donc dans tous les cas, on va tout enlever parce que si c'est pas la carte mère, et eh ben au moins on aura tout enlevé, donc on saura d'où ça vient. Donc on va joindre l'utile à l'agréable. Il me semble que les deux, oui, on n'avait pas de vue de d'histoire de câbles de couleurs spécifiques à poser. Alors bon. Ok, c'est parti. Yes, eh ben, c'est bien ça. Cool. Comme vous voyez, hein, juste lire le mail, et eh ben ça sert. Et regarder le prix, évidemment. Parce que parfois ça peut être trompeur. Hein. Il peut oublier quelque chose. Le client n'est pas toujours intelligent. Hein. Faut pas l'oublier, les amis. Faut pas l'oublier. Non. Je voulais d'abord mettre le petit refroidisseur. Hop. Me semble-t-il que j'ai tout mis. Et on voit que ça a été diagnostiqué et réparé. On va juste check les virus et on sera bon. Alors, tac, 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 tac. Boîtier incomplet, je sais. Nye, voilà. Ah, ouh, ça sent le virus. Oh, je sens le virus. Cette musique va me rester dans la tête, hein. Elle va me rester dans la tête. Ah, même pas? Même pas un tout petit virus de merde? Eh ben non, bah écoutez, ils sont propres, hein, ces clients aujourd'hui. Alors, récupérer, boum. Ok, super. Bon, ça va, le prix n'est pas trop cher pour le service, mais on le fera à la fin. Hein, on fera à la fin. Parce que regardez, regardez tout ça. Regardez tout ça. c'est lui. Ok, super, toi aussi c'est bon. 1000, ok, ça c'est bon. Nouvelle pièce dispo. Ah, pas mal, hein. Ah, tout ça, HyperX, Fury, Expo, je sais pas ce que c'est, extra large, small, medium, je sais pas. Ok, réparation de PC, on verra plus tard. Nouveau PC, ouh, 3000 de budget, on va se faire plaisir. Il veut du Nvidia, ok, bah ça c'est pas de problème, hein. Alors, Adobe en minimal, waouh, en minimal, sérieux. Quelle bande de. Ouais, et 12 gigas quand même en minimal. Hein. Ça se voit que. Hein, ça bouffe. Hein. Ok, c'est parti, mon chou. Go. On va faire du. Allez, on va faire du Intel. Quoique. Attendez, là on est dans 4 graphiques. Voilà. Eh, c'est toujours le AMD qui est au-dessus, hein. Eh ben, on va prendre l'AMD, allez. En plus, c'est simple, AMD. Stack, pardon. Socket AMA4. Bah, toujours celui-là, hein. CPU. Fabricant AMD. Prix décroissant. Hop. Refroidisseur. Pour le boîtier. Oh, allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis une blanche. Alimentation. Toujours pareil, y a pas de bénéfice à prendre l'autre. Tac, le stockage. Le stockage, on verra après. La carte graphique, on va passer là-dessus. La mémoire, on va passer là-dessus. Le refroidisseur, on va se taper une 360. Il nous reste encore 500. Est-ce qu'il reste bien que le stockage? On va faire le point. Le boîtier, c'est bon. Le CPU, c'est bon. Le refroidisseur, c'est bon. La carte mère, c'est bon. La mémoire, c'est bon. La carte graphique, c'est bon. L'alimentation, c'est bon. Eh ben effectivement, il manque plus que le stockage, on a 400 de marge. Eh ben écoutez, pour le stockage, on va prendre. Si je fais ça. Ouais. Et ensuite. Pas une 130 du coup, un peu moins.
90, oui, ça peut aller. Ouais, on est bon. Ok. Boum! Eh oui, on est encore à découvert, je sais. Il voulait du AMD par contre. Techniquement, c'est du Nvidia, mais bon. Oui, découverte de compte, je sais. Je sais pas si ça va passer, mais bon, tant pis. Je voulais mettre un bon truc, alors j'ai mis un bon truc, et il ira pas se plaindre, c'est tout. Ok, c'est parti. Carte to mer. Boum. Attendez d'ailleurs. Hop. Hop. Tac. Le petit refroidisseur. Ah, ça me fait plaisir de le mettre parce que celui-là, on peut pas le mettre souvent. Non, on va pas faire l'erreur. Hop. Voilà. Là, tu peux mettre la carte graphique. Donc on y est. Hop. La lime, boum, voilà. La mémoire maintenant, hop, voilà. Et les câbles. Alors pour les câbles, oui c'est bon, c'est le noir. Ok, on est bon. Alors, on n'oublie pas tout ce qu'on a à faire. Voilà. Appliquer et redémarrer. Et pendant que ça fait... Ah, j'ai oublié! Fuck, fuck, fuck. Tout va bien. Voilà, merci. Maintenant, on peut y aller. Alors. Le filtre anti-poussière, c'est bon. Oh là, il a déjà démarré. On a un M2, mais alors d'une performance incroyable. Alors, est-ce que tu vas être content, toi? C'est celui-ci. Ouais, voilà. C'était pas du Nvidia. Pas grave. Je recherche une nouvelle configuration. Je veux atteindre 5800. Bon, tranquille. J'ai vu que ce processeur pouvait atteindre 4000 MHz. Est-ce que l'état d'œil est raisonnable? S'occuper de ce que je vous vois à tous. Corsair, ok. Bon. Alors attendez. Comme je vous ai expliqué, comme on va prendre un processeur qui va être au-dessus de 4000 MHz, on n'aura pas besoin de l'overclocker. On va s'occuper de Corsair. Donc Corsair, il y a déjà la lime. Ici, Corsair. Corsair, il me semble aussi qu'il y a la mémoire. Effectivement. Voilà. Ensuite, on va partir sur... Ouais, sur celui-là. Coffee Lake. On va prendre celle-là, hein, pas besoin de prendre l'autre. En refroidisseur. Non, pour le boîtier déjà. Le boîtier. On va pas en prendre un grand. On va prendre celui-là. Le refroidisseur, du coup, c'est un 280. Allez, on va prendre un 240. Voilà. La mémoire, on l'a déjà fait. La carte graphique, on l'a pas faite la carte graphique, hein. Oui, la carte graphique, c'est 2500, oui, on part là-dessus. Le stockage, attendez, mais il nous manque des choses là, on a vraiment tout mis? On va voir, je vais mettre ça, et
Alors, voyons voir. Le boîtier, c'est bon. Le CPU, c'est bon. Le refroidisseur, c'est bon. La carte mère, c'est bon. La mémoire, c'est bon. La carte graphique, c'est bon. Le stockage, c'est bon. La lime, c'est bon. Et on a bien deux marques Corsair. Bah écoutez, c'est parti. Livrer le jour même. Voilà. Accéder au tableau. Boum. Boum, boum. Mais j'ai pas besoin d'overclocker la RAM ou quoi que ce soit. J'ai pris un processeur de bâtard. Moi je vous dis les gars, si vous avez... Je m'adresse aussi aux femmes, hein. Quand je dis les gars c'est une expression, petite précision. Je vous le dis, si vous avez l'opportunité, si vous avez le budget de prendre un processeur qui respecte directement vos contraintes concernant les mégahertz, faites-le. Ça vous évitera d'overclocker, de perdre votre temps. Moi le mien là, il fait 4700, donc on est large. Vraiment c'est un conseil d'amis parce que... Sauf si vous aimez vraiment faire l'overclocking, vous voulez vraiment faire le truc à fond, allez-y. Allez-y. Mais si vraiment vous voulez être safe, que vous voulez remporter tous vos... Que vous voulez remporter tous vos points, ne le faites pas. Ne le faites pas. Si vous voulez être safe, voilà. Faut primer la sécurité, les amis. Faut primer la sécurité. Sait-on jamais. J'arrivais pas à l'atteindre. Bon. Il va falloir... pas besoin d'installer l'antivirus. Mais on va devoir installer le 3D Mark. Alors on n'oublie pas si on va faire une crise cardiaque. Voilà. Boum. P. F2. Voilà. Alors, paramètres, ça affiche bien le M2. On applique et on redémarre. Et pendant qu'il redémarre, on va mettre tous les composants. Et on n'oubliera pas qu'il y aura le support d'Alim à mettre à la fin, comme d'habitude. Alors. Nyon. Il redémarre. Et boum! Ok, il va exécuter tranquillement le 3D Mark. Pour l'instant, on va checker nos mails. Alors, découverte de compte, on s'en fout. Alors là, c'est une réparation. Encore un nouveau PC. Non, c'était celui-là. Ah, un autre PC par contre. Il veut un T-Group. Donc, à retenir qu'il va falloir un T-Group. Oh, je peux commencer à voir pour l'acheter maintenant. Hein. Alors, ça une meilleure civilisation. Quoique, je pense que je vais le laisser pour le prochain épisode. Là, on a quoi? Bon, ça, on s'en fout. Et ça, on s'en fout. Ouais, finalement, on n'a pas grand chose non plus. Hein. Bon, après, on n'est pas à plaindre. Hein. Là, on a rattrapé notre. On était à 333, il me semble. Là, on va dépasser les 1100, 1500 peut-être. Donc, on est plutôt bien. Là, il est en train de finir le rendu. Ça va être plutôt bon. Allez, vas-y, Bibiche. Alors, on voit qu'on a eu un 4 étoiles, mais vous avez vu que ça n'a pas eu d'effet vraiment néfaste. Là, sur nos étoiles, on est encore à 5, donc tout va bien. Tout va bien. Et on a fini la quête ici. Alors, on n'oublie pas, on appuie sur P et je dois remettre le support d'Alim. Voilà. Tac. Cool. Boum.
Boum, boum, et boum. Nouvelle pièce. Oh, et ben dis donc, l'autre qui voulait, qui aimait Corsair, et ben là, il est ravi. Hein. Il y a du Corsair de chez Corsair. Ça, on va payer de ce fait. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et du coup, on s'occupe de ça demain, les amis. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Gros bisous et à demain.